Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle. Ce jeudi 27 avril, Ariel Dombal a ajouté une bougie sur son gâteau d'anniversaire. Présente dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, la chanteuse et comédienne a reçu un joli bouquet de la part de ses collègues. Une délicate attention qui a touché en plein cœur l'épouse de Bernard-Henri Lévy, mais si est-ce incroyable. Mais quelle beauté! Est-ce que vous avez déjà vu un si gros bouquet? Mais si est-ce merveilleux, il y a des giroflées, des lilas, des belles de nuit, des roses blanches, de l'eucalyptus, s'est-elle enthousiasmée, se disant enchantée par ce joli cadeau. Quelques secondes plus tard, Laurent Ruquier a évoqué l'âge d'Ariel Dombal, « On est ravis de vous faire plaisir. » Alors, quel âge ça vous fait ? A-t-il demandé, il a. Eh bien alors, justement, mon âge est une énigme, a-t-elle révélé, amusée. Afin de faire deviner son âge aux autres sociétaires des Grosses Têtes, l'intéressé a accepté de donner un indice. Je suis né la même année que Madonna, Michael Jackson, mais il est mort un prince, mais il est mort aussi, a-t-elle révélé sur les ondes de RTL. Elle est centenaire Ariel, on l'applaudit, a ironisé Sébastien Thoin, présent à ses côtés en studio. Elle ne bouge pas de toute façon. Regardez, elle est en barbie aujourd'hui, a renchéri Laurent Ruquier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que sa ressemblance avec la célèbre poupée est évoquée. Supérieur à supérieur à photo, Ariel Dombal, Karl Lagerfeld, retour sur ces stars qui ont entretenu le mystère ou menti sur leur âge. Ariel Dombal jeune, quand elle évoquait sa ressemblance avec Barbie en 1990, celle qui a fêté ses 65 printemps ce jeudi 27 avril était l'invitée de Thierry Ardisson, dans l'émission Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Lors de cet entretien, Ariel Dombal a été confrontée à une question piquante de l'animateur sur son apparence. On dit de vous que vous êtes l'une des 10 plus belles femmes du monde, c'était dans le Latin, a d'abord relevé Thierry Ardisson. Mais on dit aussi que vous ressemblez à une poupée Barbie, en plus figée. Une référence aux rumeurs qui voudraient qu'Ariel Dombal, 37 ans au moment de cette interview, a eu recours à la chirurgie esthétique. Loin de se laisser décontenancer, l'épouse de BHL a joué l'ingénue. J'adorerais ressembler à une poupée Barbie, a-t-elle répondu à son interlocuteur, avec le plus grand sérieux, avant de poursuivre, parce que j'ai appris que toutes les 8 secondes, en France, on achetait une poupée Barbie. Alors si on pouvait acheter mon disque toutes les 8 secondes, je serais ravie. Une réponse pleine de malice, à son image. Crédit photo, capture d'écran RTL.